tout le monde, le cas de Mario Claretto. Très belle histoire aussi. Survenu à Varzy, province de Pavie, le 5 juin 83. Je pensais que je l'avais faite, mais non, parce que quand c'est comme ça, je regarde, hein, je classe toutes mes vidéos. Même sur mon compte YouTube, je regarde, je casse tout, je mets tous les titres. Bon. Mais je ne l'ai pas faite. De toute façon, j'ai 60 histoires, 60 témoignages, j'ai dû faire 22 ou 23 vidéos. Je peux encore faire quelques-unes. Je vais faire à peu près une moitié, quoi. Voilà. Autant lire celui-là. Et c'est très intéressant avec description en plus, si je ne me trompe pas. Ça, c'est page combien? 159. 158. Ouais, 158. Ouais, puis là, c'est pas mal, hein, en plus. Hein, ouais. La soucoupe et tout, c'est vraiment pas mal. Allez, autant commencer tout de suite. J'adore ces histoires-là. Extraterrestre 60 témoignages. Professeur Antonio Chimiento. Pas oublier que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de témoins, des centaines de milliers de témoins, des centaines de millions de témoins, de toute façon, depuis 1947, même bien avant. Entre 150 et 200 millions de témoins. Sans compter tous ceux qui ont voulu rien dire, hein, faut pas demander. Hein. Et puis même bien antérieur 1947, je veux dire. 1800, 1700, faut pas demander. Mais bon, à l'époque, on disait pas pareil. Hein. On disait plutôt que termes comme démoniaque ou autre chose. Bon. Extraterrestre, 60 témoignages, professeur Antonio Chimiento. Et là, c'est très intéressant, vous allez voir. Autant commencer tout de suite. Le cas de Mario Claretto. Alors, c'est pas très long. Enfin, ça va. Peut-être 20 minutes, 25 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Survenu à Varzy, province de Pavie, le 5 juin 83. En 1983, à Varzy, province de Pavie, se produisit un fait quelque peu étrange qui concerna au moins quatre témoins. Le paysage dont les questions est typiquement un paysage de collines avec des cultures, des bouquets d'arbustes et de nombreuses fermes dispersées. La zone où a lieu l'observation se trouve sur la rive de la rivière Stafora. Elle est de l'autre côté du village, se situe sur le versant nord-est d'une petite colline qui descend en pente douce vers le cours d'eau. Le dimanche 5 juin 83, 1983, bon, de cette année-là, environ 5h50 du matin, évidemment, l'aboiement insistant et continu des chiens réveilla Mario Claretto, âgé à l'époque de 57 ans et aujourd'hui décédé. Bah ouais, parce que 57 ans, il y a au moins 40 ans maintenant. 83, oui, je pense que. Il aurait pu être encore là, hein, 96, 97 ans, c'est possible, mais bon. Qui habitait à Cabianca di Varzi, province de Pavie. Il se mit au balcon de sa chambre pour connaître la raison de tant d'agitation de la part des animaux. L'un d'entre eux était attaché et semblait vouloir rompre sa chaîne, tandis que l'autre s'était mis à courir comme un fou jusqu'au milieu de la route du domaine. Chose qu'il ne fait normalement pas, puisque d'habitude il alla jusqu'à la départementale avant de revenir immédiatement sur ses pas. Or, en cette belle matinée, voilà qu'arriva une chose étonnante. Là-haut, sur la colline qui s'élevait devant l'habitation, il y avait quelque chose de brillant. Ce n'était pas très loin, juste à peu près à 160 mètres de la maison, et à 15 ou 20 mètres de la route goudronnée au-delà de laquelle s'étendait un champ de luzerne très haute. En regardant avec attention, l'homme remarqua une espèce de phare ou de fanal de couleur orange qui faisait partie d'une sorte de coupole aplatie sur le sommet. On a compris, on voit déjà le truc, la soucoupe, bon. Celle-ci paraissait constituée de trois tranches. L'une munie du phare orange, la seconde d'une couleur argentée qui rappelait le papier d'aluminium et la dernière d'un ton tirant sur le marron foncé. Au dire du témoin, ces couleurs étaient si incroyables et stupéfiantes qu'il aurait probablement été impossible de les reproduire sur un tableau. La chose ne restait pas immobile et tout en tournant lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, émettait d'étranges lueurs. Au-delà, le témoin ne comprit pas ce que ça pouvait bien être. Il réveilla sa femme, Bonoviella, alors âgée de 57 ans, bah pareil, pour qu'elle puisse assister elle aussi à ce spectacle extraordinaire. Par contre, il dit pas si elle est décédée. Parce que lui, c'est sûr. Mais elle, apparemment. Bon, je sais pas. Après avoir rejoint son époux, la femme dit tout de suite que cela ressemblait vraiment à du papier d'aluminium, puis en voyant également la partie orange de la partie foncée, elle ajouta, ce n'est que le pas de soleil qui fait tout ça. Bon, on a vu, elle doit décéder aussi, parce que bon, elle aura plus de 90 ans. Ce à quoi le mari objecta, tu ne vois pas que ça tourne, et puis le soleil n'est pas encore levé au-dessus des collines. Bien qu'intriguée, la femme ne renonça pas à retourner au lit. Malgré son désir d'en savoir plus, le signor Claretto, Mario,
Mario, je pense au jeu, en plus, c'est con, mais bon, au jeu vidéo. Ne renonça pas non plus à continuer ses tâches ménagères. Des invités devaient arriver plus tard et il fallait en effet préparer le déjeuner. Il descendit donc à la cuisine et commença à confectionner une mayonnaise face à la fenêtre par laquelle il avait une excellente vue sur l'endroit où la chose se trouvait. Il jetait fréquemment des coups d'œil à l'extérieur, constatait que cette espèce de coupole se maintenait toujours dans la même position. Les tâches ménagères terminées, il décida de sortir pour mieux observer. Il envisagea de gravir lentement la colline. Bah, il était peut-être temps aussi parce que je serais tellement curieux de savoir aussi. Il ne sortit pas précipitamment, ne serait-ce que parce que sa maladie cardiaque l'obligeait à se... Ah ouais, d'accord, ménager environ 2 heures de rodage avant d'affronter certaines épreuves physiques. Bon. Il ne ressentait ni peur ni appréhension, non plus du reste qu'aucune curiosité excessive. Il était dans la cour et s'apprêtait à se mettre en route lorsqu'il vit quelqu'un qui arrivait de la vigne voisine et se dirigeait exactement sur la chose. Vous allez voir, c'est une soucoupe avec deux petites êtres autour. J'ai vu des images, je m'en souviens plus, j'ai tellement lu de choses. Alors, déjà deux petits gris, mais bon. Vêtu d'une chemise bleue à rayures blanches, ce personnage, qui en jugeait par sa manière de marcher, paraissait être un paysan, s'approcha de l'objet jusqu'à une distance d'environ 2 mètres. Ensuite, comme s'il était autorisé, il s'enfuit en courant comme un dératé et rejoignit la route goudronnée. Disparu lors de la vue, en vérité, le seigneur Clareto ne le voyait plus parce qu'il gardait les yeux fixés sur l'objet. Pendant que l'autre, il s'est débarré. Bon, à ce moment-là, dans un esprit naquit la conviction que ce qu'il avait été vu était bel et bien une soucoupe volante. C'était justement à ce quoi il était en train de réfléchir lorsque, confirmant son hypothèse, la machine se mit brusquement en mouvement. Elle s'éleva lentement, le témoin put en apercevoir la partie inférieure dont la vue était jusque-là empêchée par la luzerne qui était haute de plus d'un mètre. La soucoupe avait la forme d'une assiette renversée. Bon, c'est souvent le truc classique, hein. Deux assiettes comme ça, tu colles, ça fait soucoupe classique. Hein. Bon, c'est les plus classiques. Moi, mes préférés, c'est les ovnis cigares. Je trouve qu'ils sont tellement. Je sais pas, ça me paraît. Bon. En plus, il y a toutes les formes. Hein. Si vous voulez voir toutes les formes, vous allez dans le livre de Lena Danahan. Peut-être que j'en mettrai un de son livre, l'homme, c'est tout avec celui-là. Ou peut-être pas, je sais pas, je vais voir. Et vous allez voir toutes les formes, il y a des formes très élégantes, il y en a qui font des centaines de mètres, enfin, toutes des races, hein, différentes. Bon, là, c'est des petites, hein, toutes classiques. Bon. D'une assiette renversée, d'une couleur argentée, pareille à celle du papier d'aluminium. Très classique, hein, je crois qu'on peut pas faire plus vivant. Dès que l'engin monta, sa coupole qui ressemblait à une cabine de pilotage et que le seigneur Clareto avait observé durant une heure environ, quand même. Une heure environ, hein, s'effaça et disparut de la structure. La machine volante ne s'éleva pas verticalement, mais parcourut quelques mètres en frôlant la colline à une hauteur d'environ 2 mètres. Au moment où la coupole avait disparu, s'était échappée une substance ressemblant à de la vapeur, à de la fumée ou peut-être à une poudre marron. En tout cas, rien de lumineux, quelque chose d'opaque. Tout cela se passa sans bruit et sans déplacement d'air. Rien ne bougeait, même pas l'herbe. En plus, même pas l'herbe. Cette étrange poudre ne permettait pas au seigneur Clareto de se distinguer clairement la silhouette de l'objet et l'ensemble avait pris la forme, pas seulement la couleur, d'un cigare de Havane. Voilà, on est arrivé. D'ailleurs, je me souvenais plus que c'était. Vous voyez comme quoi l'ensemble avait pris la forme, pas seulement la couleur, d'un cigare de Havane. Alors au début, c'était comme des assiettes. Hein. Ouais, comme quoi la forme, mimétisme et polymorphisme des ovnis. Ça, on revient sur. Bah, là, j'en mettrai le lien de Jean Sieder, des deux livres. De Jean Sieder, c'est exactement ça. Il se mimétise, polymorphisme, il se fait ce qu'il veut. Il se transforme en ce qu'il veut. Voilà. Pour se retrouver à un cigare de Havane. En plus, j'en parlais, je m'en souvenais plus qu'il y avait ça dedans. Après avoir couru quelques mètres au ras de l'herbe, l'ovni s'éleva tout doucement à la verticale et arriva à une hauteur de 20 à 30 mètres, s'arrêta quelques secondes, donnant presque l'impression de revenir en arrière. Dans le même temps, cette espèce de gaz disparut rapidement, de telle sorte que le signor Clareto, Mario, fut de nouveau en mesure de voir l'objet. La coupole sortit une nouvelle fois en tournant dans le sens inverse des aiguilles. Comme ça de mon côté, mais vous, oui, bon. Des aiguilles d'une montre avec toujours cette espèce de fanal orange. L'engin se mit immédiatement en mouvement et s'éloigna en direction sud-sud-ouest en augmentant progressivement sa vitesse. Dès qu'il eut pris de l'altitude, il se mit quasiment à ressembler à une poire sans pétiole. Alors, il est passé d'une forme d'assiette, hein, de coupole, enfin, ouais, comme des assiettes. À un ovni cigare de Havane pour prendre ensuite à ressembler à une poire sans pétiole, à une poire. J'imagine les formes qu'ils font.
Je vous ai déjà dit que des fois dans les mutilations de bétail, j'avais déjà dit, je crois, souvent c'est accompagné des hélicoptères noirs. Mais ces hélicoptères noirs, c'est certainement pas les militaires. C'est des ovnis qui sont autour, qui se métamorphosent en hélicoptères. D'ailleurs, même pas de plaque dessus, y a rien, apparemment. Bon. Et après, ils se retransforment en boule de lumière et disparaissent. Hein. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que les deux livres de Jean Sidor, Le mimétisme et polymorphisme des ovnis, c'est très intéressant. Je remettrai les deux livres là. D'ailleurs, il faut que j'en fasse des vidéos de ça parce que c'est toujours. Magnifique ce livre-là. Jean Sidor, en plus, il explique très très bien dedans. J'ai rien à. C'est tellement bien expliqué. Donc, ils font ce qu'ils veulent. La forme est ce qu'ils veulent. Hein. Dès qu'il eut pris de l'altitude, il se mit quasiment à ressembler à une poire sans périole. Ne serait-ce qu'un égard à sa couleur marron foncé, l'homme le suit du regard jusqu'à ce qu'il devienne un petit point dans le ciel dégagé. Oui, bon, après, il s'éloigne, hein, forcément. C'est là que se termine le témoignage du signor Clareto, mais il faut ajouter que cette scène de départ avait été suivie par deux autres témoins. Le premier se trouve être le signor Bruno Staffo Rini, né en 1923. Bah, à mon avis, 1923, on est en 2022. Ouais, je pense pas. Hein. Puis un homme, ça vit moins longtemps. Même si moi je fume pas, je me pose, ça veut rien dire. Hein. Bon, à l'occasion, l'alcool, mais ça veut rien dire. Hein. Logiquement, un homme. Bon. Enfin, agriculteur et oh, bah, en plus, agriculteur et colocataire du signor Clareto, donc il est usé par la vie, il est usé par son métier, déjà. Hein, faut s'imaginer. Bon. Cette personne avait également entendu les aboiements insistants et furieux des chiens et les avait attribués à la présence d'un sanglier qui refusait de partir comme cela était arrivé maintes fois. Bon. Il entendait la voix des époux Clareto provenant du balcon de leur chambre et descendit dans la cour pour nourrir les poussins et les autres animaux. Comme le signor Clareto, il remarqua le comportement agité et rageur des chiens qui ne se calmaient pas. Même sous la menace du bâton, quand son voisin l'invita depuis la fenêtre de la cuisine à regarder en direction de la colline vers le champ du signor Francesco Tornari, où il se passait quelque chose d'anormal. Il y a de quoi, parce que là, bon, c'est quand même bon. Il n'y a rien de normal là-dedans. Hein. Ce sont comme c'est des créatures d'autres mondes, plus ou moins. Ça peut être intra-terre, sous-mer, ou d'autres terres, enfin d'autres planètes qui sont même pas ici, ou vers la Lune, ou encore plus loin, bon. D'autres dimensions, hein, tu n'auras jamais fini de toute façon. Et jugea qu'il s'agissait d'un papier d'aluminium. On revient toujours à l'aluminium, mais c'est les formes qui sont quand même incroyables. Moi, je trouve ça fascinant. Changer de forme. Justement, j'en mettrai le lien de toutes les formes qu'il y a ici. Il y a une sorte de toupie, tout ça. J'en mettrai des photos là sur le côté. C'est très intéressant. J'en mettrai après. De 1946 à. Ouais, enfin, jusque les observations de. Jusque Phoenix, ouais, les lumières de Phoenix, bon. C'est ce papier qui, en brillant et remuant, aurait effrayé les chiens. Jamais il n'aurait cru qu'il verrait un objet volant s'élever à cet endroit vers les 7 heures environ. Alors, au début, c'était 5h50 du matin, donc oui. Il vit lui aussi un individu s'enfuir à toutes jambes vers la route départementale à l'instigation du signor Clareto. Il observa le départ de l'OVNI. Un autre témoin fut la signora Bono, pas le chanteur, hein, qui, en entendant le signor Staffo Rini et son mari parler de quelque chose qui s'en allait, se leva de son lit et, depuis la terrasse, réussit à voir l'objet, au début immobile, puis en mouvement. Elle éprouva de fortes émotions en contemplant cette chose si belle et si colorée. Bon, après, c'est une question comment ils sont, est-ce qu'ils sont neutres, pacifistes ou négatifs? Voilà, ça c'est toujours la même question, hein, des êtres là. Ça, on ne sait pas. Ça dépend lesquels. Quelque temps après, lors des enquêtes ultérieures, on apprit l'identité de l'individu qui avait été vu ce matin-là en train de s'approcher de l'OVNI avant de s'en aller à toute hâte. C'était le signor Mario Fronti, né en 1920, paysan. Celui-ci déclara posséder dans les environs une ferme où il élevait des cochons. Il était justement venu là de bonne heure pour leur donner à manger. Ayant vu quelque chose de lumineux, alors tu vois, ils sont tous approchés, il y a eu 4 témoins, hein, si je ne me trompe pas. Il avait traversé la vigne pour s'en approcher, c'est ainsi qu'il avait pu voir que l'OVNI était doté d'une belle circonférence, mais sans être capable d'en estimer les dimensions. En s'approchant, il eut la possibilité de le voir briller, de remarquer des personnages dans les parages immédiats. Bon, alors, on ne les voit pas vraiment. Mais bon, j'ai pas encore fini. Tant mieux. Parce que j'allais dire, c'est dommage que ça finirait là. Ouais, après, ça n'a rien à voir. Alors. Ceci que le témoin n'a pas été capable de décrire en détail étaient deux humanoïdes. On parle bien des humanoïdes. Hein, donc, ils étaient de petite taille, très semblables à des nains. Alors, je pense aux gris, mais après il y a plusieurs races de gris. Hein.
avec des pieds très menus. Cela pouvait se déduire, d'après lui, des minuscules empreintes qu'ils avaient laissées sur l'herbe foulée. De leur habillement et de leur comportement, il ne sut rien dire sinon qu'ils étaient plutôt maladroits et empruntés, au point de le pousser à déclarer, on n'aurait même pas dit des personnes. À peine ces êtres le virent-ils, qu'ils se redressèrent et firent partir leur soucoupe en vitesse, laquelle décolla et prit une direction déterminée. Alors après. Pendant ce temps, le seigneur Fronty s'était éloigné d'un pas très rapide. C'était le seigneur Clareto que l'on retint comme témoin principal dans la mesure où c'est lui qui avait la possibilité de suivre l'événement le plus longtemps et d'une façon quasi inattendue. Ininterrompue, pardon. Ininterrompue. Par conséquent, ce sont des déclarations ultérieures qui ont été reprises. Après le départ de la soucoupe, les chiens se calmèrent. Bah oui. Cependant, aucun des témoins ne se soucia de se rendre sur le lieu de l'atterrissage. C'est seulement plus tard, au réveil, que le gendre du signor Clareto fut informé par ce dernier de ce qui s'était produit. Étant quant à lui passionné d'ufologie. Ah là, il y a ça aussi. Après, on va dire, ah, mais comme c'est un passionné d'ufologie, il a cru voir quelque chose, voilà. Ah non, c'est pas de sa faute, mais même si moi je voyais quelque chose, je me dirais, bon. Et même moi, peut-être, je me poserais même des questions. C'est pas parce que je vois un truc étrange, tout de suite, bon, voilà. Un peu passionné d'ufologie, bah comme moi, voilà. On peut se donner la main, enfin, peut-être plus maintenant, parce qu'il n'est plus là. Bon. Il fut très fâché qu'on ne l'ait pas averti plus tôt. Il se rendit immédiatement dans le champ, où se releva une empreinte circulaire à l'intérieur de laquelle l'herbe était restée écrasée, où on nota la présence de quelque chose de semblable à de la suie. L'examen de la trace servit en outre à confirmer que la chose ne devait pas être si grande que cela. En réalité, on l'estima tout au plus à 5 mètres de diamètre. Oui, mais ça suffit, t'as des êtres qui sont pas très grands, hein, qui se font même pas un mètre, bon. Il n'y fut pas possible de recueillir d'autres éléments, car le jour suivant, le propriétaire du champ pensa bien faire. Bah, il parle comme, c'est comme si c'était des nains, hein, oui. En coupant de l'herbe, ou à taille des petits enfants. Le lendemain, en ramassant cette herbe sèche, il affirma avoir remarqué qu'une automobile immatriculée AL6 s'était arrêtée non loin de là et que deux individus en blouse blanche en étaient descendus et avaient eu l'air d'effectuer des mesures à l'aide d'étranges appareils. Ouais, déjà, c'est direct, hein. Et dès qu'ils s'étaient approchés d'eux, ah, ça répète les manies de bac, mais bon. Ceux-ci s'étaient éloignés en toute hâte sans proférer aucune parole. Environ 2 jours après l'apparition de l'OVNI, les époux Clareto trouvèrent leur poule pondeuse morte sans raison apparente. Malheureusement, leur poule pondeuse morte sans raison apparente. Sa tête était blanche, généralement dans la mort, elle devenait plus foncée. Ses yeux étaient, ça c'est intéressant quand il y a des détails, tout ça, avec les animaux autour, bon, je pense un peu aux mutilations de bétail aussi, mais bon, étaient répandus autour d'elle et leur contenu se révéla privé de vie. De surcroît, justement, ces mêmes jours, une de leurs voisines, pardon, constata la mort de deux de ses poules aussi, sans que la raison en soit évidente. Donc ça fait 3. 2. Oui, 3. Une poule pondeuse plus 2 autres. En définitive, après toute cette affaire, les époux Clareto émirent le désir d'exprimer leur bonheur, leur satisfaction d'avoir vécu cette merveilleuse expérience, malgré la mort de 3 poules. Bon, enfin, c'est comme ça, hein. Enfin, vaut mieux que ce soit ça que bon. En particulier, le mari fut convaincu qu'il s'agissait bien d'une soucoupe volante et resta émerveillé au souvenir de ses couleurs, pour lui si invraisemblables et si irréelles. Le phare qui avait la propriété de ne pas être aveuglant et de ne pas éclairer vers le bas diffusait une luminosité orange tellement bizarre qu'elle le poussa à s'exclamer. C'était vraiment les couleurs qui étaient étonnantes. L'orange n'était pas orange, le marron n'était pas marron, et ainsi de suite. Donc j'en mettrai des liens, après je vous ferai, de Jean Sider, plus le livre-là, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Parce que vu les formes qu'il prend, hein, 2 assiettes, après un ovni cigare Havane, hein, cigare Havane. De Havane, et après une sorte de poire, c'est quand même hallucinant. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, c'est page combien ça? C'est 150. Je vais vous le montrer. Toujours très intéressant. Voilà. Clareto Mario. Bon, à côté, c'est pas. Non, regarde pas les autres images. Je trouve ça, c'était mon petit image. C'est ça que je trouve ça un peu dommage. C'est dommage que les images ne soient pas plus grandes, mais bon, c'est la description. Hein. Voilà ce qu'il a vu. Voilà. Regardez, c'est ici. Clareto Mario. On regarde pas à côté. De toute façon. Si un jour je le lis, on sait jamais. Voilà. 2 petits personnages qui ressemblent quand même à des gris. Hein, je ne dis rien.
1 mètre à peine. En dessous, 90 cm, bah ouais, c'est à peu près ça. Après, tu as des grands gris, qui sont pas tellement plus grands, les grands gris dans 1 m 30 ou 1 m 40. Après, tu as les gris colonnés. Alors après, comme toujours, c'est l'illustration du dessin. Alors, bon, voilà, ça c'est... Encore une fois, comme je dis, bon. Il y a des très belles couleurs, faut imaginer le truc. Pas très grand, la soucoupe, hein, 5 mètres. Alors qu'au départ, elle était comme ça. Hein. Ensuite, c'est devenu un cigare, et par la suite, une poire. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. La forme de ce qu'ils veulent. Claretto Mario, ok? Voilà. Je coupe là, j'en mettrai le lien de Jean Sideur. C'est toujours très intéressant. C'est ça que j'hallucine, c'est ça. C'est bien ce que j'avais lu. Hein. Deux assiettes. Hein. Après, une... voilà. Était renversée. Une assiette renversée, d'une assiette renversée. Et après, ça a pris un cigare. Pris la forme d'un cigare. Et après, une poire. Voilà. Une poire sans pétiole. Faut quand même le faire. Hein. Trois formes différentes. Ce qui rejoint la livre de Jean Sieder, c'est exactement ça. Et ça, c'est magnifique. Ça confirme encore avec toutes les couleurs multicolores comme les arcs-en-ciel. Un arc-en-ciel, sauf que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus éblouissant, ce que tu veux. Même lui, comme il dit, on peut même pour un point faire un tableau tellement que les couleurs sont trop brillantes, trop belles. Hein, à la limite, c'est ça. C'est trop beau. Bon, voilà. Donc, bon. Ah, s'il y a eu trois poules de mortes, c'est que. Deux ou trois, ouais. C'est qu'il y a eu forcément quelque chose. Hein, donc, bon. Après, ils ont peut-être pris des œufs, des échantillons, j'en sais rien. Bon, ça, ouais. Malheureusement. Enfin, vaut mieux ça que. Déjà, ça me fait moins mal que ce soit un chien. Ça paraît con, je sais que ça fait mal, mais bon. Moi, mais bon. Ah, si c'était une personne, alors encore pire. Imaginez un enfant. Bon. Allez, je coupe là, merci. Le cas de Mario Claretto, survenu à Varzy le 5 juin 1983. Très intéressante histoire. Et je reviendrai sur ce livre-là certainement encore peut-être 4 ou 5 fois, puis voilà. Un bon 5 fois. Allez, je coupe. Merci. À bientôt. Il a fait un autre livre comme ça, mais c'était pas pareil. Couleur rouge, la couleur. Là, c'est vert. Antonio Chimiento, hein, quand même. Né en 49, 1949, est enseignant de mathématiques appliquées dans les écoles supérieures, vice-président du Centre ufologique national et ex-vice-président du Centre italien d'études ufologiques. C'est le chercheur qui, en Italie, a mené le plus grand nombre d'enquêtes sur le sujet. Il a également participé en qualité d'expert à de nombreuses émissions télévisées, tant que sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées. Donc c'est très loin d'être un rigolo, je veux dire. Hein. D'accord? Bon. En plus, c'est le plus grand chercheur pratiquement qu'ils disent en Italie. Hein. Le plus grand nombre d'enquêtes ouais, sur le sujet, en plus. Voilà. Je coupe là. Merci. À bientôt. D'ici 2 ou 3 jours. À plus. Portez-vous bien.